Voilà. Donc, on continue. Comme on rentre tous au pays là, c'est pourquoi moi j'ai eu cette idée. Parce que je sais, après le coup d'État, je me suis dit que voilà, il faut qu'on ait un studio. Il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Voilà. Pour organiser une grande plateforme pour le bien du parti. Donc, cette plateforme-là, on le dit ici, mais vous le verrez, les gens vont voir la réalité sur le terrain. Mais beaucoup de militants, quand on parle, eux, ils pensent que voilà, on demande des aides parce qu'on veut mettre l'argent dans nos poches, alors que ce n'est pas ça. On veut faire le bon travail pour que le peuple soit fier de nous. En un mot, nous sommes sur un ring. Moi, je suis sur un ring. Je suis en train de me battre avec des gens. Les gens avec lesquels je suis en train de me battre, je ne veux pas avoir la défaite. Parce que je communique au nom de mon parti. Je ne communique pas à mon nom. Je communique au nom de mon président. Je ne communique pas à mon nom. Donc, si l'UFDG échoue, j'ai échoué. Tous les gens qui communiquent au nom de l'UFDG ont échoué. Tous les militants qui soutiennent l'UFDG ont échoué. Il ne faut pas se dire que c'est quand l'UFDG échoue, ce n'est pas Selou Dalein qui a échoué. Ah, c'est pas C'est lui. tout le monde qui a échoué. Voilà, c'est pas lui. C'est tout le monde qui a échoué. Donc, Guido rentre à Conakry. Tout le monde va rentrer à Conakry. Mais en rentrant à Conakry, il faut que quand toi tu parles là, ce n'est pas t'asseoir là-bas. Il faut que tu aies un boulot. Ton boulot, tu continues à travailler pour ton parti. L'engagement que tu as pris, les Païkoussards et autres, Morlaï Sylla et autres, les communicants, tout le monde se déplace, part dans les régions. On fait des porte à porte. On ne va pas attendre. On ne va pas écouter personne. On ne fait pas campagne. On ne fait rien. Mais on va aller montrer aux gens que c'est l'UFDG maintenant qu'il faut pour la Guinée, pour changer les Guinéens. Maintenant, ce n'est pas parler parce que moi je suis avec la communauté Fulbe. Non, le commerce c'est avec la communauté Fulbe. L'argent c'est avec la communauté Fulbe. Si on regarde aujourd'hui, je disais hier, si on regarde l'Angola, tous les supermarchés qui sont en Angola, la majorité c'est les peuples guinéens qui sont là-bas. Tu sais qu'à Dakar, ici au Sénégal, la majorité des boutiques qui sont là, les commerces, c'est pour nous, les peuples, ou bien? Maintenant, si tous les gens là, tous ceux-ci là, sans oublier les millions de peuples qui ont des milliards aux États-Unis, Aux États-Unis. en Europe, en Asie, tous ceux-ci là, ils ont des milliards là-bas. Si tous ceux-ci rentrent dans leur pays pour travailler, il y a la justice. Si vous voyez qu'ils sont restés là-bas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller dans leur pays. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité. Il n'y a pas de justice. C'est ça. S'il y avait la justice, tout le monde allait prendre son petit commerce, rentrer chez lui. C'est lui. Je vais dire une chose aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Tous les grands commerçants Fulbe qui sont dans les autres pays, ou les grands milliardaires Fulbe qui sont dans les autres pays, tous leurs rêves là, tous leurs rêves, c'est d'aller en Guinée, vivre en Guinée en paix. Tous leurs rêves, c'est ça. Tous leurs rêves. Maintenant, pour ça, il faut la justice. Il faut qu'ils se sentent en sécurité, C'est comme ils se sentent en sécurité au au Sénégal, Sénégal. comme ils se sentent en sécurité en Angola, qu'ils soient là pour l'UFDG, quand l'élection sera là. Parce que le colonel, il a dit qu'il va faire les élections, c'est-à-dire il va commencer de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire les petites élections jusqu'au grand. Législative présidentielle. Voilà. Maintenant, avec si on ramasse tout ça là, on ramasse tout ça là, tous les jours. Ou les cinq communes de la capitale. Et puis on ramasse Guindia, Doubreka, Boké, Mamou, Voilà. Labé, si on ramasse là, qui va combattre, peine combattre? Personne. On reste sur les réseaux sociaux. On n'insulte pas quelqu'un. On ne tombe pas dans la piège des gens. C'est-à-dire, on ne fait pas vengeance avec quelqu'un. On se tait. Si Paul nous insulte, c'est lui, c'est son problème là-bas. Son injure va se retourner contre lui. Si l'autre nous traite de tout là, on le laisse là-bas. Nous,
la mission, on continue sur la mission. Cette mission-là, c'est quoi? C'est de montrer à ces gens-là que oui, ce qu'ils pensent là, ce n'est pas ça. Ce qu'ils veulent là, ça n'arrivera pas. Ouais. Pour ça, il faut que vous ayez le cœur de nous faire confiance. Et ce qu'on est en train de le dire ici, les vidéos sont là, les trucs sont là. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour les communicants qu'on dit que Alagi Selou, comme pour les militants, il a gagné les élections. Il est devenu président. C'est une fierté. C'est une fierté, Wallah. C'est une fierté. Une grande fierté. C'est une fierté de savoir que oui, le combat qu'on a mené, on ne l'a pas mené pour ne rien. Oui. Oui. Voilà. Donc, continue, Baylo. Pareil, quand on s'est dit que nous Tipirongo kaye beje koyon da ukakraji beno daro katere sensibiliza findina jama jokkano ngendo moja moja tambito don financièrement et moralement et ça pour les appeler les féliciter pour les encourager de plus affaire des RPS là ils n'ont même pas qui sont sur le réseau qui parle là ils ne prennent même pas 0,1% de l'électorat guinéen faut pas qu'on se non là il y a pas de parole de Nila. Il faut concentrer sur la majorité du peuple. Il faut activer, réactiver encore la connexion entre le parti et le peuple de Guinée. C'est ça que nous demandons, c'est ça que nous souhaitons. Ils sont là, ils vont bientôt se programmer, partir par l'ethnostratégie. On a vu la sortie de Thierno Manenembo. Il n'a rien parlé du mal. Il dit si l'histoire se répète, la Guinée va se diviser. Mais on voit là, ils se fâchent, on voit leur parole. Maintenant, il faut que les gens s'élèvent. Ils modèlent, font de l'or. Wally Todem, Bodo, communicant, donne un moyen financier. Bayo va financer. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai reçu plus de 300 millions. Pardon. Oui, oui. Plus de 300 millions, j'ai dit. Il oui, faut oui. que vous financiez les gens. Aujourd'hui, il y a la transparence. Il faut les soutenir pour que le parti soit activé dans le cerveau de Guinée. Majoritairement, on va gagner les élections qui sont là. Ce qu'on demande, le bureau général, c'est ceux qui sont faits 2020. 48 heures, il faut donc ce qui a gagné. 48 heures. Il faut que les résultats soient connus par tout le monde. Il ne faut pas accepter la manigance, dire une semaine ou 5 jours. Non, non, non. Il faut activer les tablettes comme on avait 2020. 48 heures, on sait qui a gagné. Il ne faut pas aussi dire qu'il faut la centralisation. Non, 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 non. Chaque bureau de vote, là, on compte et puis on balance. Sur les radios, toutes les radios direct. Pour connaître le vrai résultat. Ça fait un mois presque. On voit mes $650. Chaque fois, moi, je contrôle. Je regarde ça, je dis, ah, il y a quoi le problème? Il dit, je veux des matériels pour la communication. $5,000. Ça, c'est 50 000 francs. Avec des bons matériels, des bons téléphones, ça ne peut pas. 50 millions ne peut pas gagner ça. Avec un bon studio, bien maquillé, IFDG. Il faut que vous souteniez. Cette fois-ci, on n'a pas un adversaire. Nos victoires, c'est nous. Point bas. Il faut que c'est le gouvernement. C'est ça l'objectif. Comme on n'a pas d'adversaire. C'est pour vous. Comment? Nous, moi, je reste derrière. Je ne rentre pas dedans maintenant. Je ne cherche pas les tissus du parti. Je ne cherche pas les cartes. Mais je vais voter pour la partie. Nous, nous sommes là. Les non, gens, il y a des gens qui disent tous au paix le pouvoir. Ils sont vivants. Ils sont en Guinée. Maintenant, il faut nous autres, il faut qu'on se prépare contre ces gens-là. Il y en a, ils sont vivants. Ils préparent tout. Contre la communauté P. Nous, on va combattre ces gens-là. Vous, vous continuez cette semaine. Activez les connexions entre la partie et le peuple. C'est ça que nous, on souhaite. Voilà. D'accord. Donc, comme ce que je dis, tout d'abord, il faut que chaque militant, il ne faut pas qu'on nous mette en tête que les élections, c'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est pas loin. C'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie. C'est pas loin. C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous endormir pour nous avoir. Oui. Il faut qu'on réactive les choses. Ouais. Moi, je ne veux pas la défaite. Moi, ma défaite, on m'a dit, je ne veux pas la défaite.
Ouais. Je ne veux pas la défaite. Il faut qu'on réactive les choses. On n'est pas en campagne. On ne fait pas campagne. Oui. On parle pour parler à nos militants. Ouais. Pour sensibiliser les gens. Oui. Pour éveiller la conscience des gens. Mmh. Pour faire comprendre aux gens que oui, la manipulation est terminée. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas sans savoir. Ils ont des stratégies. Oui, oui. Les stratégies. Makaneda est en train de parler. Voilà. Ils sont en train de parler. Ils ont pris Makaneda pour mettre Makaneda devant pour nous tirer une balle. Pour nous tirer une balle. Mais Makaneda ne peut pas réussir. Parce que le Guinéen s'est réveillé de son sommeil maintenant. Le Guinéen connaît maintenant la réalité des choses. Le Guinéen sait c'est quoi la réalité des choses maintenant. Donc, il ne faut pas qu'on se dise de « Ah, nous, on est là. » Moi, j'ai eu cette initiative, ce petit studio. On sait qu'on a des trucs, les chaînes pour voir le président, pour voir les trucs du parti. Mais il faut qu'on a la réalité dans nos mains. Que toi, tu me regardes, toi qui nous regardes là, tu es assis à Bangkok, tu es assis à New York, partout. Tu vois la réalité sur le terrain, dans les villages fonds de Guinée. Les gens sont conscients, les gens sont actifs pour le président de l'UFDG. Ouais. Ah, ça c'est plus que du diamant, c'est plus que tout. C'est ce qu'on veut. C'est une fierté. Oui, oui. Aladji est au pouvoir. Tous les Guinéens qui sont à l'extérieur rentrent dans notre pays. Ça, ce n'est pas un bénéfice pour le pays. Oui. On va avoir des routes, on va avoir des hôpitaux, on va avoir des centres de loisirs. En Guinée aujourd'hui, tu ne peux même pas avoir, c'est-à-dire tu ne peux même pas avoir un centre de loisirs pour les enfants. Il n'y a pas de centre de loisirs pour les enfants. Quand tout le monde se lève là, on part au jardin de Zoto. Ces jardins de Zoto là, ça même c'est gâté, c'est fini. On n'a pas de centre de loisirs pour les enfants. On n'a pas de lieu pour se récréer. Quand vous partez à Conakry, oui. La majorité de nos sœurs sont devenues tous des noctambules. Tous des noctambules. Les filles sortent en boîte tous les jours. Lundi en boîte, mardi en boîte, mercredi en boîte. 7 jours sur 7, ils sont au Baron, ils sont au MLS. Parce qu'il n'y a pas autre lieu de loisir. Oui. Il n'y a pas autre lieu de loisir. Il n'y en a même pas. On n'a pas ça en Guinée. À l'abbé même, à l'abbé, on ne voit même pas. Il y en a même. À l'abbé, moi j'étais là, voilà, je vois. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de société de l'UFDG. L'éducation. Voilà. Imaginez aujourd'hui. Voilà, l'éducation de la Guinée est trop bas. Bah. Une fille qui sort à la télé, sur Facebook, une lycéenne qui faisait le bac, qui a dit, on a trop eu la tort, on a eu la souffrance. C'est-à-dire qu'une fille qui était au bac, niveau bac, voilà, qui s'exprime comme ça. Cette vidéo a fait le tour du monde. Les gens se sont moqués de la Guinée. C'est ce qu'on veut. C'est ce que l'UFDG veut changer. Ouais. L'UFDG ne veut pas prendre le pouvoir parce qu'on veut dire que non, il y a un Fulbe qui est venu au pouvoir. Non. L'UFDG veut le pouvoir pour faire développer le pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Donc, tout ce temps-là, de 1958 jusqu'en 2021, là, la conscience des gens qu'ils ont pu manipuler, là, toutes les choses qu'ils ont pu manipuler, là, c'est cette fois-ci qu'il faut qu'on dise qu'en matière de nouvelles technologies, qu'on a tout en image, qu'on peut tout capter, que ce soit en image et qu'en son. Oui, oui. Par exemple, la vidéo qu'on fait là, les paroles qu'on s'adresse là, tout ceci là, ça reste. Les gens sont en train de regarder directement. Et quand on parle dans les régions, qu'on parle partout, on sensibilise les gens. Tout le monde est unanime là-dessus pour l'UFDG. Est-ce que quelqu'un peut nous tricher? Personne. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève pour activer ça. Voilà. Moi, j'ai organisé ce collecte de GoFund. Ça fait un mois. Un mois. Comme les gens se disent que les élections sont loin. Si c'était les élections, ils allaient mettre dedans. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça.
Wana nyande wani manete, wataneila. Voilà. Voilà. Quand on va partir sur le terrain, on va faire quoi? On va aller s'asseoir comme ça? Non. Les autres vont continuer à gagner du terrain? Jamais. On n'acceptera plus jamais. On va s'asseoir comme ça? On jamais maintenant. Hein? Et puis, voilà. L'importance, vous voulez qu'on parle, on s'asseoir comme ça? On va aller vers les gens. Et puis, on filme. On balance aussi sur les réseaux. On fait des travaux forts. Nous sommes au terrain. Mm-hmm. Et puis, on balance sur les réseaux. Uh-huh. Toi qui es à Singapour, aux États-Unis, tu vois la réaction. Comment les gens sont adhérés, les gens sont déjà contents de l'IFDG. Après que vous menez maintenant, ils ont dit, projet IFDG, on a mauni. C'est lui avait dit 2020 là, le projet des routes entre les préfectures, ça est déjà dans ses mains. S'il fait un mandat, il va faire les routes entre toutes les préfectures. Un mandat seulement. Et puis j'ai de confiance. Parce que si tu vois la communauté internationale, Banque mondiale ne finance pas. Parce que les gens qui sont en place, qui nous gouvernent, ils n'ont pas juste. Il n'y a pas la justice en Guinée. C'est ça le problème. Voilà. Donc, j'ai mis le lien là. J'ai mis le lien là tout de suite. J'ai mis le lien là de GoFundMe là. J'ai mis le lien là. Il suffit de cliquer là-bas. Ouais. Vous mettez tout là-bas. Mm-hmm. L'argent est là-bas. Ouais. Le jour qu'on va faire sortir l'argent, les matériels qu'on va acheter, on va montrer aussi. Voilà, on va tout montrer. Voilà. Vous allez voir, on va aller sur le terrain. Si vous nous aidez aussi à avoir des voitures, on va montrer tout ça. On part sur le terrain, on fait le travail là. On fait le travail. On fait travail sur le terrain, on met aussi sur réseau. Double travail, on travaille dur pour activer les gens, le peuple, la majorité avec l'IFDZ. Arrête que nous menons mes maris comme un djadja djama en faux. Fais-le. Il aussi coup d'élection guidensiwa qu'on a beaucoup bâti. Un an est devenu maintenant un mois est devenu une semaine est devenu un jour. Aujourd'hui nous sommes 18 octobre, ça fait un an depuis que les élections ont passé. On dirait c'est hier. On dirait c'est hier. Il faut qu'on se lève. C'est le moment de se lever. C'est pas toi que j'ai, c'est pas toi qu'on s'est vu là depuis il y a un. On dirait de hier. C'est rapide. Non, la vie est rapide. Haray ko dum menen men tori jama fo jeji wallita gol jibril do soutenamo no hebira materiel jidi so yehi katere habbo den si on nomme le gouvernement et puis on, il nous donne c'est un an 6 mois ou un an 5 mois ou un an 18 mois comme on dit 18 mois pardon, il y a pas de problème. Là maintenant on commence le travail sur le terrain. C'est ça que le la solution pour on commence le travail propre, bien fait. Bien fait. Et accompagné de vos prières. Parce qu'il faut savoir que les gens-là, ils ne nous laissent pas comme ça. Comme ça. Ils sont derrière nous. Ouais. Voilà. Ils sont derrière, ils font les maraboutages, ils font les charlatans. Voilà. Le fétichisme. Voilà. Ils font le fétichisme. Le fétiche. Oui, oui. Voilà. Voilà. Et. Bon, il faut aussi des prières pour nous, beaucoup de prières. Ouais. Moi, je prie, je ne rate pas mes prières, comme Bailo aussi. Mm-hmm. Mais il faut aussi que vous nous accompagnez de vos prières. Ouais. Ouais, c'est très important. Quand vous priez la nuit, vous lisez vos Corans, il faut prier pour nous. Il faut dire mon nom, il faut dire le nom de Bailo, il faut dire le nom de Selou, il faut dire le nom de la Guinée. Ouais. Tous vos prières là. Ça va se rajouter sur notre prière et Dieu va dire que ah, lui là, son nom est trop venu vers moi là. Ouais. Son nom est trop venu vers moi. Il faut qu'on le protège. Il faut que je le protège. Ouais. Donc, on demande aussi vos prières pour nous. Parce que le travail, quand ça sera prêt pour aller sur le terrain, ça ne sera pas un travail facile. Oui. On partira dans les villages, ça sera dans les nuits, ça sera dans le jour. Mm-hmm. Voilà, vous voyez, il y a le voyage des routes là. Vos prières là. Après, tu regardes les commentaires, il y a des gens qui demandent de les contacter. Moi, j'ai fait mon dernier message. Haray Midolandi, Kala Fédération IFDZ, Wombe États-Unis d'Amérique. Et Jodi Beben Europe. Koko men hala ni on do. On a 8 régions. Il faut avoir 8 équipes. Chaque équipe, 5 membres. Un chauffeur avec 3 derrière, un devant. Conakry 1, Kindia, Boke, Mamou, Labé, Farana, Zerekore, Kanka. Pour réactiver, activer Hakunde Jamaong et Partion.
be yaada e programme ji parti on be yeto jama on be handina jama on awa wobbe aroya e wolal gol be le'i le'i watan votan pullo watan wadu dum do yeto be lagine wona le'i le'i hande kadi si on vota ko programme on IFDG no hino programme mabbe on fi laawi din be wadai dum do e der 5 fi ndiyan dan be wadai dum do der 5 fi kuran on be wadai dum do der 5 fi jande ekolo be wadai dum do fi 5 eh fi social be wadai fi sécurité holla programme jidi yeto jama ko programme votante wona lenyol wona sellu dalé wonde votande ko projet mo jogi on yeto jama no on vote pour lui un mandat pour son projet si il travaille ce qu'il nous a promis après on reviendra montrer les gens aussi vous avez vu il a fait ce qu'il a dit maintenant donnons lui le second sens deuxième mandat maintenant si il fait ça lui aussi va quitter l'autre va venir continuer son travail mettre ça activer les gens sont malades. Hey, il faut les parler dans leur langue. C'est ça qui est très, très important. Maintenant, il faut des financements, des déplacements. On peut avoir 8 véhicules. On a des véhicules de 2000, 2500, bonnes conditions. On maquille le parc et puis on met ce que j'ai dit, what a studio. Qu'on a créé un petit studio, bien maquillé. Pour que Kindia, Labé, Mamou, Farana, Zerekore et ce qu'on appelle Kanka. On a un studio, on a un véhicule, on a des sonorisations, on a des bons téléphones, on a d'argent, l'argent de poste, on mange bien, on se sent pas faim, on boit XL partout, partout, nous vivons bien. Et puis nous aussi, on a le courage de travailler. On mange des poulets, des salons, on mange des viandes, on se lève, on travaille pour le bas. C'est ça que moi j'ai donné. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim.